l'instant, j'espère. Oui. Et aujourd'hui, nous allons lire une histoire de Bruno Gibert aux éditions Sarbacane et qui a pour titre « La malheureuse histoire de Madame Lacrotte ». Marie-Camille était une personne exquise et délicieuse. Marie-Camille est très belle. Marie-Camille, elle a toujours des beaux habits. Elle est toujours propre, elle sent bon. Marie-Camille était une personne gentille et généreuse. Marie-Camille, elle aime tout le monde. Marie-Camille, elle offre des cadeaux. Elle aime faire plaisir aux gens. Elle aime bien aider les gens. Elle est trop gentille. Et pourtant, Marie-Camille n'était pas heureuse parce qu'elle s'appelait Madame Lacrotte. Les autres, ils se moquent d'elle à cause de son nom. Il ne veut pas jouer avec elle. Elle n'a pas d'amis et pas d'amoureux. C'est comme ça depuis qu'elle est toute petite. Ils disent qu'elle est sale et qu'elle sent mauvais. Les autres lui en faisaient voir de toutes les couleurs. Leurs moqueries étaient comme des petites crottes qui lui envoyaient à la figure à longueur de journée. Ouah, ça sent la crotte par ici. Et il raccrocha au nez de la malheureuse grenouille. Alors les enfants, que pensez-vous de cette histoire? Les gens ne sont vraiment pas gentils avec Madame Lacrotte. Ils trouvent à force peut-être qu'on dessous fait des crottes. Mais à la fin de la journée, ça fait un énorme tas de petites crottes pour Madame Lacrotte. Donc parfois, celui qui embête Madame Lacrotte, c'est moi. Je ne savais pas que ça la rendait triste. Je ne le ferai plus.